Bonsoir, c'est Théo. Merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau bulletin météo. On va commencer tout de suite avec notre matinée de ce mardi. Cet anticyclone qui est arrivé aujourd'hui sur le pays va continuer de s'affirmer demain et pour au moins 2 jours, hein, jusqu'à jeudi pour être plus exact, avant le retour d'une perturbation par l'ouest. On en reparlera dans les prochains bulletins. En attendant, ce qui nous attend demain matin, c'est des conditions très calmes, beaucoup de soleil sur la majeure partie des régions. On retrouve malgré tout sur le nord-est des éclaircies et attention, quelques averses qui pourront aussi déborder sur la région PACA ainsi que la Corse, avec même un risque d'orage et un risque de chute de neige, ça a priori sur les montagnes des Alpes du Sud. Dans l'après-midi de votre mardi, c'est à nouveau un temps très calme qui s'annonce pour la plupart d'entre nous, beaucoup de soleil avec des éclaircies qui pourront se montrer présents depuis les Pays de la Loire. Et sur une bonne partie aussi de la Normandie, on retrouve des éclaircies un peu plus timides en allant vers les régions, vers la Bourgogne-Franche-Comté par exemple. Et on retrouve des averses, encore une fois, qui peuvent être accompagnées d'un ou deux orages et de neige à très haute altitude en montagne sur les Alpes du Sud. Avec donc eh bien des averses. Ailleurs, sinon, voilà, le temps est très calme, beaucoup de soleil annoncé, mais attention, le matin, j'ai oublié de l'annoncer, mais le matin, les températures sont très fraîches. On pourrait même atteindre des températures qui sont négatives, notamment sur le nord-est. Et on termine donc ce bulletin météo. Il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà pourquoi il va être plutôt court ce bulletin météo. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc voilà. Demain soir, les conditions resteront toujours très calmes avec un temps très clair sur la majeure partie des régions. On retrouve quand même sur les Pyrénées de timides éclaircies. Les averses vont continuer sur les Alpes du Sud, alors la région PACA et la Corse, elles seront moins nombreuses, mais il reste encore une fois des averses qui pourront s'y déclencher. Sur l'extrême nord-est du pays, on retrouve de belles éclaircies, et sur la pointe bretonne, donc, on retrouvera un temps couvert et un ciel voilé à l'approche d'une perturbation qui normalement devrait arriver jeudi, mais on en reparle de cette perturbation dès demain. Et bien voilà, je vous laisse ici pour ce bulletin météo. Il aurait été très court, je le sais, mais il n'y a pas eu grand-chose à dire. Ce n'est vraiment qu'un temps très calme nous accompagne, avec des températures qui malgré tout seront très fraîches. Le matin, soyez donc, en tout cas, sortez couverts pour éviter d'attraper froid. Voilà, ben, c'est fini pour moi. On se retrouve demain pour un prochain bulletin météo. Et sur ce, quant à moi, ben, demain, à demain. À demain, à demain. Ciao, bye bye.